ici que tout a commencé. Le tout premier Grand Prix se déroula ici, à Silverstone, en 1950, avec Giuseppe Farina sur la première marche d'un podium entièrement couleur d'Alfa Romeo. Ce jour-là, il gagna 9 points de championnat, ce qui le propulsa vers le tout premier titre. Et vous savez combien il en avait à la fin de la saison? Seulement 30. Les temps ont bien changé. Voyons qui lui succédera sur le podium aujourd'hui. À cheval sur la frontière entre le Northamptonshire et le Buckinghamshire, Silverstone et ses 18 virages sont sur 5,7 km une ode à la Formule 1. Le circuit a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Le virage 1 est ainsi devenu la courbe droite rapide d'Abbey et deux zones de DRS ont fait leur apparition sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, mais la magie est toujours là. J'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui un homme qui connaît bien Silverstone, j'ai nommé Nicolas Martin. Je vous sens très impatient. Y a-t-il quelque chose que vous voulez me dire? Oui, j'ai vraiment hâte de voir cette course. Décennie après décennie, il y a toujours eu une ambiance particulière ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Souvenez-vous de l'inoubliable course de 1986 et de ce coude-à-coude entre Mansell et Piquet. Courir à Silverstone a une grande signification pour un pilote et si vous regardez les spectateurs, c'est pareil pour eux. Pour ne rien gâcher, nous avons un plateau magnifique cette année. La compétition est serrée et les conditions sont réunies pour nous offrir une belle course. Je suis très impatient. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Eh bien, salut à tous. C'est Angel038 et on se retrouve pour le Grand Prix de Silverstone. Grand Prix qui va être très compliqué hein, puisqu'on parle de la 20e place sur la grille de départ. Et donc on va retrouver notre ami Cyril hein, qui fait son retour pour le Grand Prix de Silverstone suite au Grand Prix d'Autriche où je l'ai fait en solo. Eh bien salut à toi Cyril. Salut Angel, salut à tous. Et donc la grille qui est en train de se définir un petit peu devant nous, hein, on a une grille qui est un peu comme d'habitude, à part que nous on part en fond de grille, hein, qui est une grille qui ferme avec les Sauber et la Renault de Palmer. Et donc bon, on part 20ème, il va falloir qu'on opte pour une stratégie un petit peu particulière. Oui Angel, tout à fait, parce qu'il me semble que les essais ne se sont pas très bien passés ainsi que les qualifications. Ouais, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal avec la voiture. Oui, oui, donc effectivement, ce serait bien effectivement de savoir quelles seraient les estimations de durée de vie des pneus de Pirelli concernant les médiums et les hards, sachant que si on a besoin d'avoir ces données-là pour justement définir la stratégie de course. Ouais, tout à fait. Du coup, je suis en train de regarder moi pour la stratégie. Donc, on va partir, on va essayer de faire le minimum d'arrêt possible. Hein. Par défaut, l'ordinateur me propose de partir en soft pour faire 2 arrêts en médium. Au 14e et au... Alors attends, la stratégie initiale c'était, que je dise pas de conneries, c'était au 7e tour et au 14e tour. Après... Sur une course qui en comporte, je crois, 26 ou 27. Voilà, ouais, 26 tours. Est-ce que tu as moyen de sélectionner les hards? Ouais, je peux prendre les hards pour le départ. Par contre, ce que je peux pas, c'est enlever un arrêt au stand. Je peux décaler. Quel est le pneu obligatoire? Le médium. Et ben dans ce cas, on va partir en hard et je te propose qu'on fasse qu'un seul arrêt, qu'on fasse durer le plus longtemps possible le hard. Pour qu'on s'arrête, comment dire, et qu'on chausse les médiums et qu'on termine la course avec. Donc on va tenter un pari, sachant que de toute façon, vu la position dans laquelle tu pars, on n'a absolument rien à perdre. Et s'il y avait, comment dire, une petite safety car qui peut nous aider, bah tant mieux. Voilà, c'est exactement ça. Donc on va partir sur ces stratégies. Donc on part en hard. Voilà, on va essayer de faire durer les pneus au maximum. Donc on est parti pour le tour de formation. Alors j'avais tout de même une, comment dire, une ou deux questions à te poser, Angel. Au niveau des essais et des qualifications qui sont mal passées, alors est-ce que c'est le setup de l'auto qui a pas très bien fonctionné, qui marchait pas très bien, ou est-ce que c'est dû aussi un petit peu au fait que on a une auto qui en manque de performance, dû au fait qu'elle a pas trop évolué depuis Montréal? Je pense qu'il y a un effet combiné, le setup me convenait pas. Après c'est vrai que c'est un circuit qui est super technique, hein. Il y a énormément d'enchaînements de virages où il y a des points de corde à prendre qui sont bien particuliers. J'ai une voiture qui bloque un peu du train avant et qui a tendance à être joueuse du train arrière à la réaccélération, donc il faut que je dose bien toutes les phases de freinage et d'accélération. Du coup c'est vrai que je suis revenu, comme je te disais hier, à un réglage neutre de la voiture pour avoir un semblant de performance au niveau de l'auto, quoi. Donc écoute, je suis désolé et si ce réglage là ne te convenait pas, malheureusement j'en avais pas. Il n'y a pas de mal, hein, tu sais. C'est pas grave. Et après les setups, comme on dit, tu vois, il y a Giggs, il le disait, tu as des setups qui conviennent très bien à un certain style de pilotage, et puis il y a un setup qui va pas marcher. Avec le même setup, tu as deux pilotes, ils n'arriveront pas à faire la même performance. Et bon, après moi j'étais pas forcément à 100% dedans non plus, donc on va essayer de faire. Mais on est d'accord, et de toute façon. On va régler ce problème-là dès le prochain Grand Prix sur le Hungaroring, puisque je vais déjà annoncer une bonne nouvelle, c'est que j'ai pas un setup, mais deux setups en magasin spécialement prévus pour la Haas. Donc normalement ça devrait le faire, notamment avec les nouvelles pièces sur la voiture qui devraient arriver pour le prochain Grand Prix. Tout à fait, hein, comme vous l'avez vu pendant la séance de qualification et d'essais libres, donc on a pu déclencher les évolutions R&D au niveau du moteur, du monkey seat, et puis du dernier élément au niveau des aéros de suspension, que je dise pas de bêtises. Alors il s'agit des bras de suspension profilés, de la réduction du poids du châssis et le monkey seat. Concernant le moteur et la gestion du carburant, ça se fera soit pour Spa ou Monza. Voilà, le tour de formation est terminé, on va faire le départ, on va essayer de s'élancer mieux que possible. Les feux s'éteignent et ça y est, c'est parti. Alors le départ se passe pour l'instant sans encombre. On arrive au premier virage qui est relativement lent, puisque tout le monde ralentit un petit peu, il faut faire attention. C'est de ne pas reproduire le même schéma qu'en Autriche, où je me suis confortablement appuyé sur la Ferrari de Vettel. Donc on a profité un petit peu, hein, de tous ces freinages des premiers virages pour remonter à la 17e place, derrière les deux Manor. Alors voilà, on finit le premier tour de course et on est à la 18e place. On s'est fait repasser par Kvyat, hein, qui est en pneu soft, ce qui est relativement logique, hein, quelque part. On va être un peu en délicatesse avec la voiture sur les premiers tours. Et avec le poids de l'essence embarqué également. Tout à fait. Alors l'idéal, ce serait qu'avec les hards, Angel, tu puisses tenir jusqu'à la fin du 14e, 15e tour, qu'on passe en médium. On va essayer de les faire durer le plus longtemps possible, et comme vous l'avez remarqué, toujours beaucoup de blocage de roues dans les phases de freinage. On essaye de temporiser au maximum, mais on perd du temps, c'est ça le problème. Tant que les pneus durs, c'est une inconnue pour toi, parce qu'il me semble que tu n'as pas eu l'occasion de les tester en essai. Absolument pas du tout, puisque on a eu de la pluie pour EL1, EL2 et EL3, j'en ai profité pour tester les médiums et les softs. Tu as juste plus travaillé que la qualification. C'est ça. Une qualification qui ne s'est pas soldée forcément par un grand succès. Alors que là on se fait passer par la Sauber de Nasr, la Haas, attention. On ne résiste pas, un pilote Sauber à les pneus soft. Non, tout à fait. Mais je pense que c'est peut-être et certainement le manque de roulage qui fait que tu as été pénalisé en fait. Manque de roulage sur le sec, bien entendu. Allez, on rentre dans le 5e tour maintenant, on va faire un petit bilan des gommes pour notre ami Cyril. Donc on est à 16% d'usure sur l'avant et 16% d'usure à l'arrière, sauf pour l'arrière gauche qui est à 18%. Et on est à la 21e place pour l'instant. On est entouré de voitures qui sont en pneus soft et que bah, on ne peut pas forcément lutter sur les phases de réaccélération. On est plus rapide dans des phases de vitesse. Mais on est notamment beaucoup plus rapide dans la partie du circuit sur l'ancienne ligne de départ arrivée. Ah, tu veux parler de Woodcock et Cops, c'est ça? Ouais. Juste avant le fameux enchaînement Maggotts Becketts Chapel. Oui. Oui, et sur les données pneumatiques que tu me donnes, normalement, si tu gères bien, on devrait s'arrêter vers la fin du 14e ou du 15e tour. Et sachant que comment dire, les pilotes en pneus soft vont pas tarder à s'arrêter, donc c'est à partir de là que notre course va commencer. Tout à fait, pour l'instant on patiente tranquillement que bah, les autres s'essoufflent en fait hein, finalement. Et la voiture, elle se comporte bien avec les durs ou pas? Ça va, on va pas te dire que c'est la folie, hein. J'ai pas la voiture que j'avais en Autriche. Mais ça se passe. Quelques problèmes de blocage de roue comme je disais tout à l'heure et des petits soucis à la réaccélération en sortie de virage, mais ça se gère, Attention toutefois à pas trop comment dire, freiner tardivement et à pas mettre trop de gaz à la sortie. Attention au point de freinage. J'essaie de doser hein, vraiment. Je suis pas à fond sur la pédale, hein, loin de là. À la sortie de virage, mais on est vite en bout de pédale. Disons que derrière ça pousse beaucoup en tout cas. Je vais me louper au freinage qui va profiter à Palmer. Il est en quoi Palmer? Il est en soft. Ouais, donc compliqué de lui résister pour le moment. Ah ouais, comme je te disais, je suis entouré de pilotes qui sont en soft actuellement. Mais qui de toute façon vont bientôt s'arrêter. Tu as le safety car de sortie. Ok, donc tu passes tout de suite en mix 1. Ton carburant, il dit quoi? Il est à plus 1,45. Bon, quand tu auras la plupart des pilotes qui seront rentrés au stand, là, ceux qui étaient en pneu soft, tu peux... éventuellement passer un petit peu en mix 3 pour attaquer un peu. C'est à toi de gérer. L'ami Massa, ça serait bien de rouler un petit peu. On est bon pour la température des pneus et des freins là? Ouais, ça va. Voilà, je suis derrière Massa qui a dû faire son premier arrêt au stand et qui est en pneu médium. Je pense que lui, il va restopper une deuxième fois. Tu es plus rapide dans le secteur 1, plus rapide que la voiture de devant sur le secteur 1. Allez, on rentre dans le tour 13, on va faire un bilan un petit peu de l'état des courses. Donc on est à la mi-course maintenant, et au niveau de l'usure des pneus, eh ben, on est à la moitié de l'usure des pneus aussi. Puisque j'ai 52% à l'avant-gauche, pareil à l'arrière-gauche, et 48 et 44 à l'avant-droit et arrière-droit. Et on est 15e au classement pour l'instant, avec un Carlos Sainz devant qui est donc notre rival, qui est passé il n'y a pas longtemps, avec ses pneus médiums. Et grosse surprise, un Lewis Hamilton aussi qui vient de nous doubler, qui nous a pas pris un tour, non non, il était derrière nous. On a vu une fusée grise arriver dans les rétroviseurs, j'ai absolument rien vu venir. Ça m'a surpris dans l'enchaînement Maggotts Becketts Chapel, d'ailleurs j'étais à l'aspiration derrière Sainz et du coup j'ai vu cette Mercedes arriver. Ça m'a complètement déstabilisé. Du coup maintenant il faut que je rattrape Sainz qui du coup a filé un petit peu devant. Et donc pour l'instant la voiture se comporte pas si mal que ça, donc on va continuer encore un peu avec les pneus. Tu vas continuer un tour de plus? On est qu'à la mi-course, hein, est-ce que on est à 57 à l'avant, gauche, est-ce qu'on se ferait pas encore un tour de plus? Moi je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête à la fin du 14e. Allez, c'est parti. Parce que sinon après je pense que tu vas perdre trop de temps à vouloir rattraper les pilotes de devant qui sont devant toi, alors que tu as des pneus qui ne sont plus dans leur fenêtre de fonctionnement optimale. Parce que au-delà de 50%, c'est pas la peine, Michel. Tac. Alors j'ai Vettel derrière moi, la 15e place, qui vient sortir des stands, qui vient de chausser des médiums, qui va très certainement nous doubler au DRS, hein, sans trop de problèmes. Il peut aller au bout avec ses médiums. Hein. Ouais, comme Hamilton, je pense. Oui, ils se sont arrêtés, donc ils peuvent aller au bout. Je pense qu'on a tout intérêt à en faire autant et maintenant. C'est ce qu'on va faire. J'ai prévenu les stands que j'arrivais. Oui, donc autant dire que les mécanos n'ont pas intérêt à faire dans leur froc. Attention à la ligne blanche d'entrée des stands, Angel. Ouais. Voilà, on est dans les stands. Cette interminable ligne de stands. Oui, parce que ici, un arrêt, c'est très pénalisant. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a préféré compter ce pari à un seul arrêt pour éviter de trop passer par cette ligne des stands qui est vraiment très pénalisante. Allez, l'arrêt qui s'est très bien passé, 2 secondes 4. C'est un très bon arrêt effectué par les Américains de Haas. Donc normalement maintenant tu as les pneus pour aller au bout. C'est ça. On va tâcher de les faire durer au maximum. En sachant qu'on est ressorti donc 21ème. Safety car. Ok, un gel box, on va passer en soft. J'ai immédiatement plongé dans la ligne des stands. Comme un dingue. ça c'est une opportunité qu'il faut surtout pas lâcher. Hein. Ah c'est bon ça. Je pensais qu'elle allait jamais venir. C'est bon là, t'es dans les puits là. Je sors des puits. En soft bien sûr. En soft. Tu t'es mis en mix 1. Attends, je vais faire ça de suite. Parce que du coup j'ai pas eu le temps de le faire avant l'entrée des stands. Il le faut absolument qu'on puisse récupérer du carburant. Il y a Haryanto qui s'est bloqué derrière la voiture de sécurité. Encore un peu plus vieux ça. Allez. Attends, tu peux pas le passer. Non. C'est bon, il a fini par se décoincer. Juste à temps, on dirait. J'ai cru qu'il sortirait jamais des échappements de la Mercedes. Hein. Du coup, il m'a abîmé un peu mon aileron avant, cet enfoiré. T'as combien de retard là sur la 7? J'ai 6 secondes là sur Haryanto. Lui il doit être en train de l'user. Ouais. Avec un peu de chance tu devrais pouvoir remonter sur lui. Alors est-ce que tu gagnes du terrain là sur Haryanto et les autres avec des sables? Alors bizarrement pas trop non. Je suis en lutte avec Alonso. Ouais, il doit avoir les mêmes pneus que toi. C'est un con cette histoire. Ils sont en médium, je suis en soft et j'arrive pas à remonter. On est dans le dernier tour. Peut-être une voiture qui a envie de performance. on aura absolument besoin de faire évoluer au prochain round. Insisté, je vais m'en apercevoir maintenant parce que je le voyais plus derrière moi. Il a un peu trop insisté dans le virage en épingle avant la première zone de DRS et du coup il est parti en tête avec eux. Ah, c'est dans l'ancien AB. On verra peut-être ça au ralenti, mais je suis fort que tu sois en tort sur ce coup-là, non? Je sais pas trop en fait. Moi j'étais à l'extérieur dans le virage, j'ai pas fait d'écart de conduite plus que ça. Et j'ai pas senti non plus d'impact sur la voiture, ça a été assez bizarre. Après dans le rétro j'ai vu la voiture au travers de la piste. Drapeau jaune, mais... c'est curieux. Ça sur le replay, ouais. C'est curieux effectivement, Angel, mais on reverra ça au replay et... on analysera tout ça. Et bien on finit à la 16e place. Ce résultat nous a pris de court, mais on va travailler dur pour faire mieux lors de la prochaine course. Bon bah c'était une course je suppose quand même assez compliquée. Ouais, c'est vrai que je partais sur un week-end là où honnêtement je m'attendais pas à performer du tout, puisque circuit sur lequel je suis pas forcément super à l'aise. La voiture qui manque de performance, c'est normal, on l'a pas fait évoluer depuis un petit moment, donc là on verra au prochain Grand Prix ce que ça voudra dire. Mais néanmoins on a réussi à finir 15e, ce qui est pas mal parce que je pensais même finir dernier, donc c'est un moindre mal. Et donc on voit le podium qui se dessine devant nous, et pour une fois pas une domination Mercedes sur le podium. On a Kimi Räikkönen devant Nico Rosberg et Valtteri Bottas. Donc un petit podium un petit peu inattendu. Ouais, on a un petit peu de tout, c'est plutôt cool. Ouais. Et puis bon, pour revenir un petit peu sur la course, on a essayé de tenter des paris en faisant une stratégie à un seul arrêt au départ. Et puis on a voulu essayer un petit peu de profiter du safety car pour comment dire, finir en boulet de canon la course avec des softs. Ça n'a pas marché. Et quand tu me disais que même avec les softs, tu ne parvenais pas à remonter sur des voitures comme la manœuvre d'Haryanto par exemple, ouais. C'est là que je me dis qu'effectivement il y a un vrai manque de performance sur l'auto, parce qu'on ne l'a pas fait évoluer depuis Montréal. Et donc on espère avoir des résultats un peu plus probants sur le Hungaroring. Ouais, un circuit, ouais. Ouais, je sais pas ce que tu penses, mais peut-être que c'est un circuit qui va te convenir peut-être un peu plus et un peu plus à la voiture, non? C'est un circuit que j'apprécie déjà un peu plus. À mon avis, il y aura moyen de se rattraper de cette bévue. Donc on va voir le. Enfin, c'est vrai, comme tu dis. Après, je reviens sur les opportunités entre le virtual safety car et le safety car. C'est vrai qu'on n'a pas eu de bol. Je pense qu'on a été victime du bug de la manœuvre qui restait coincée à le safety car, parce que du coup, ça nous a fait perdre énormément de temps sur les pilotes qui étaient devant et qui du coup devaient rejoindre le safety car, hein, parce que le safety car, quand on était coincé avec la manœuvre d'Haryanto, on était dans la première zone de DRS, et donc tous les autres pilotes qui étaient devant ont le temps de prendre un sacré écart pour revenir derrière le safety car, et nous le temps de revenir et de faire le tour. On était encore à quelques virages alors que la course se relançait. On était même pas arrivé à Maggotts, Becketts et Chapel, alors que les pilotes arrivaient à la fin du tour pour relancer la course. Donc oui, donc il y avait du mal. Je signale que tu n'es pas le seul dans ce jeu à être victime de bugs, hein, puisque tes confrères des Pielo, Jeff ou Hydro ont également été victimes de bugs, et c'est comme ça que des courses ont été tout simplement ruinées. Tout à fait, bah du coup ça va faire plaisir à notre ami Jeff, hein, cette victoire de Kimi Räikkönen sur cette course, qui est suivi par Nico Rosberg et Valtteri Bottas. Max Verstappen finit à la 4e place, suivi de Lewis Hamilton, qui partait 3e et qui finit 5e. Felipe Massa finit à la 6e place. Sébastien Vettel, qui partait pour longtemps en pôle, finit à la 7e place. Mon coéquipier 8e, Jenson Button 9e, Carlos Sainz 10e. Donc on n'aura pas du tout tenu les objectifs de l'écurie, hein, sur ce Grand Prix, parce qu'on devait être devant Grosjean et devant notre rival qui était Sainz, et on se retrouve loin derrière. 11e Verline, 12e Kvyat, 13e Ericsson, Haryanto 14e, Hülkenberg 15e, je finis donc à la 16e place. Derrière moi il y avait Felipe Nasr, Fernando Alonso, Jolyon Palmer, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, et parmi les abandons on notera Kevin Magnussen. Juste une chose encore, quand tu vois la place où Romain termine, tu te dis que peut-être qu'en étant un peu classé un peu plus haut sur la grille, en partant plus haut, peut-être qu'on aurait pu jouer un top 10 avec la stratégie qu'on avait, mais bon, malheureusement, bah, à la fois le manque de performance de l'auto, puis je dirais aussi le manque de roulage qui t'a beaucoup pénalisé, fait que ça n'a pas été possible. Mais maintenant on va espérer que ça pourra s'améliorer sur le tourniquet du Hungaroring, qui est un circuit qui s'apparente à un Monaco sans rail, où il va falloir que la voiture ait beaucoup d'appui pour négocier tous ces virages qu'il peut y avoir au mètre carré sur ce circuit. Ça va être intéressant. Et pour en conclure avec mon coéquipier qui partait donc de la 13e place sur la grille et qui est parti sur une stratégie 2 arrêts lui aussi. Voilà donc la suite du classement. Donc voilà le classement du championnat du monde des pilotes avec Lewis Hamilton qui est devant Sébastien Vettel, Nico Rosberg toujours à la 3e place, suivi de Kimi Räikkönen qui a marqué pas mal de points pour revenir un petit peu dans les affaires, mais surtout pour distancer Max Verstappen derrière, que plutôt que revenir sur Rosberg. 6e donc Valtteri Bottas, Ricardo 7e, Massa 8e, on est toujours à la 9e place, hein, devant Carlos Sainz qui remonte à la 10e place, il a pris la place à Felipe Nasr qui redescend lui à la 11e place, donc on voit qu'il y a quand même pas beaucoup de points, il y a 9 points d'écart entre Sainz et moi-même, donc il va falloir qu'on assure pour le prochain Grand Prix. Au constructeur, on a Mercedes devant Ferrari, Red Bull 3e, Williams 4e, on est toujours 5e pour l'instant, on remonte d'ailleurs au profit, enfin on est remonté à la 5e place, hein. On a fait descendre Sauber et Toro Rosso qui sur cette course ont été un peu moins chanceux que nous, puisque heureusement que Romain a marqué les points de l'écurie sur ce coup là avec sa 8e place, ce qui nous permet donc du coup de remonter pour un petit point, hein. On voit c'est pas non plus la folie. Sur ces deux écuries. Ensuite on retrouve la 8e place Force India, 9e Renault et Honda McLaren, hein, qui remonte à la 10e place et qui fait descendre donc Manor. La suite des aventures est encore à venir, on est encore un bon bout de chemin à faire ensemble. Donc j'espère que ce petit retour de la F1 vous a fait plaisir, que vous avez passé une bonne course en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ma saison sur F1 2016 dans l'écurie Haas, et sûrement aussi pour le retour de la coop dans les prochains jours à venir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, allez salut à tous.